chers téléspectateurs de KTO, vous êtes ici à l'île Bouchard, un petit village au sud de Tours, où dans cette église qui est derrière moi, quatre petites filles en 1947 déclarent avoir vu une belle dame. Cette belle dame leur demande de prier pour la France, car elle est alors en grand danger. Et elle promet du bonheur dans les familles. Ce bonheur dans les familles, nous y aspirons tous. Faut-il pour autant fragiliser nos familles par un projet de loi qui vient à l'Assemblée nationale en janvier, ouvrant le mariage aux personnes de même sexe et l'adoption par elles-mêmes? Beaucoup s'en inquiètent, croyants ou non-croyants. Nous nous sommes demandé, que faire? Qu'il soit dans les grâces de l'île Bouchard, des grâces mariales, de prières pour la famille, pour la France par des petits-enfants. Eh bien, tout simplement, vous inviter à prier avec vos enfants pour la famille. Très concrètement, nous vous proposons de prier pendant 9 jours, avec vos enfants, pour la famille. Ce sera tout simple. Vous pouvez réciter 3 « Je vous salue Marie », un pour les mères, un pour les pères et un pour les enfants. Et puis le 9e jour, le 1er janvier, jour de la fête de Marie, Mère de Dieu, vous pourrez rajouter un Magnificat pour rendre grâce, remercier la Vierge Marie de son intercession pour la France, pour la famille. Entre le 24 décembre et le 1er janvier, soyons tous en union de prière.